On est tous du 91. Moi je suis d'Auvers-Saint-Georges, c'est près des Tempes. Et Chris est d'Evry et David d'Arpajon. Et on a commencé par jouer ensemble dans un premier projet. Et ça fait donc 4-5 ans qu'on a formé Wakantenka et qu'on a commencé à écrire des morceaux dans ce sens-là. Alors Wakantenka, ça signifie le grand esprit en amérindien, plus particulièrement dans la culture Sioux. Et ce qu'on a beaucoup apprécié en fait, c'est vraiment déjà l'imagerie en fait qui s'en dégage. Et ensuite la signification, ça signifie grand esprit. Donc on aimait bien ce rapport avec le son, c'est-à-dire quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Et ouais, toute la culture, tout ce qui s'en dégage, ça nous inspire vachement quoi. Alors nous on dit qu'on fait du rock avec des influences stoner électro. Stoner parce qu'il y a pas mal de blues, de sons assez gras, et électro parce qu'on pioche avec David tout ce qui est côté synthé, on va pas mal dans du Kavinsky, dans du R, enfin on prend pas mal d'influence en fait. Alors en général on joue, on a pas mal joué dans le 91, dans le 7-7, un peu sur Paris, et récemment on a fait une tournée en Bretagne et on a eu l'occasion aussi en juin dernier, fin de l'année dernière, de jouer au Download Festival à Brétigny-sur-Orge. Titre au début, on faisait pas mal de reprises et au fur et à mesure, on a commencé à faire quelque chose de plus sérieux, à faire que de la composition. Et on a sorti un premier EP il y a 2 ans et demi qui s'appelle Animals in Progress. Et là, on va sortir le 11 avril River. Oh.